on espère que vous allez tous très bien. Et bien aujourd'hui, on revient avec une nouvelle vidéo. Un jour, une question. Y'a quoi? Hello la gentille famille, on espère que vous allez tous très bien. Et bien aujourd'hui, on revient avec une nouvelle vidéo. Un jour, une question. Mais comme cela fait pratiquement plusieurs jours qu'on n'a pas publié. Exactly. Aujourd'hui, on va répondre à trois questions. Exactly. On y go, allons. Donc, avant d'abord d'aller, j'aimerais préciser que ce sont des questions qui ont été posées par nos abonnés qui sont sur Facebook. Exactly. Donc, les amis, à la suite de cette vidéo-là, lâchez-vous en commentaire, posez d'autres questions pour qu'on puisse vous répondre. Là même, nous avons sélectionné quelques-unes, sinon il y en a plusieurs. On a sélectionné quelques-unes, mais il y aura plusieurs séries parce qu'on a reçu plusieurs questions et en inbox et en commentaire. Donc, on va vous répondre. Allez, moi, Tavia, commence. Première question. Comment votre histoire d'amour a commencé? Bon, les amis, notre histoire d'amour a commencé à l'université. On était en deuxième année d'université. Chacun de nous a bu le coup de tête, c'est-à-dire... Jamais comment? Pourquoi tu as vu le coup de tête? Pourquoi tu me dis que chacun de nous a vu le coup de tête? Pourquoi tu as vu le coup de tête? On continue. Chacun de nous a bu le coup de tête. Tu as vu le coup de tête, oui. Et on a décidé d'essayer de construire une histoire sentimentale ensemble. Voilà, donc on s'est connus à l'université. On était encore très jeunes, en deuxième année. Voilà. Donc, on passe rapidement à la deuxième question qui est, dites-moi quelle est la base de votre relation? La base de notre relation, c'est tout simplement l'amour. Je ne vais pas passer par quatre chemins pour dire nanani, nanana. Mais nous, déjà, la base de notre relation, c'est l'amour. Les amis, si vous êtes dans une relation, vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas accomplir des grandes choses. Nous, on s'aime, c'est-à-dire on s'adore. Nous sommes ivres d'amour, raison pour laquelle aujourd'hui, on a pu quand même établir ou mettre en place une très bonne communication, exactement. Avoir de la conscience, exactement. Être aussi proche et créer une certaine complicité. Exactement. Parce que ce sont des éléments que l'amour apporte. Mm-hmm. Si vous n'avez pas ces éléments-là dans votre relation, posez-vous des questions parce qu'on ne peut pas s'aimer sans pourtant avoir ces éléments. Parce que l'amour apporte le respect. Mm-hmm. C'est l'amour qui fait en sorte que ton conjoint ne puisse pas te tromper parce qu'il sait que s'il te trompe, il va te perdre et tu auras mal. Voilà. Donc voilà, exactement, c'est l'amour. L'amour. Il n'y a rien d'autre. Les autres trucs là viennent après. Ouais. Après l'amour. Voilà. Allez, on passe rapidement à la troisième question. Un couple aussi beau, ça vous arrive d'arriver aux mains lors d'une casse dans la chambre? Carrément, lors d'une casse. Les amis, je vous ai toujours dit qu'on ne se met pas en couple pour se combattre. On se met en couple pour s'épanouir. On se met en couple pour être heureux. Exactement. On se met en couple pour accomplir des grandes choses ensemble. Déjà, il n'y a jamais eu de casse. Chez nous, il n'y a jamais eu de casse. Il n'y aura jamais de casse. Voilà, mais il n'y aura jamais de casse. À moins que, nous soyons ivres de je ne sais quelle substance. Ivres de quoi? On ne voit pas, on ne fume pas. À moins que nous soyons habités par un bongongo, un mauvais esprit, même l'encore, on crie tout le temps. Donc, Dieu a mis les barrières de telle sorte que le diable ne puisse pas s'introduire pour venir nous aménager à ce niveau-là. Non. Attends, ça me fait tellement rire parce que j'imagine. Après, mon chéri va dire que bon, moi je ne peux pas me dire que Kamia va se battre seule. Il avait dit la fois dernière qu'elle se dispute seule. Et amis, nous déjà, quand vous pouvez bien nous voir, notre partage quotidien sur le sourire. C'est-à-dire que jamais, en fait, ça ne va jamais arriver qu'on puisse... Mais quelle idée d'avoir une casse là? Mais quelle idée? Regarde, même monsieur Wari. On sent que vous êtes habitué à ce genre de couple là où l'homme et la femme se battent et tout, mais ce n'est pas normal en fait. Je vous le dis, ce n'est pas normal si vous avez des parents qui ont passé le temps à se battre ou quoi. Moi déjà, je n'ai pas grandi dans un environnement. Que ce soit dans la maison de mes parents, que ce soit chez mes enfants, jamais je n'ai pas grandi dans un environnement. Et je trouve que ce n'est pas normal, monsieur et madame, qui arrivent jusqu'au mec à ce cowboy en fait. C'est normal, hein? S'en sortiront, j'amour. Eh, quoi? Il sait qu'il a merde. Il sait. Tout ça, c'est parce que tu es seul avec nous. C'est tous les gens pensent que tu es sur les réseaux là parce qu'on veut. Non, c'est parce qu'on va te mettre où?
venir tirer les trépieds et les caméras. Ah, arrête, hein. Arrête. Donc les amis, c'était un peu ça. On a répondu à 3 questions. Mettez d'autres questions en commentaire. On va continuer à répondre. Et puis, c'est réel. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À ta les amis. Pour la suite. Gros bisous.